allons là au château de Perrelade. La route est étroite. Tranquille, je suis en deuxième. Je vais pas faire de folie quand quelqu'un arrive là. Nous sommes en Aveyron, toujours en région occitane. Pas très loin de Milan. Tournez à droite. Ah. Dans 200 mètres, restez sur la file de droite pour continuer vers Perrelade. Ça grimpe là, je suis en première. On va pas passer le moteur. Oh là là. Sur la file de droite. Je sais pas du tout si c'est ouvert ou pas. Il est 19h je pense. Ouais, 19h. Donc je sais pas. On va voir. Pas un seul véhicule. Que soit fermé, j'ai regardé sur le net là si j'ai la connexion. Dans 300 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Je crois qu'on peut y accéder par là-bas. On est proche des gorges du Tarn. J'ai essayé de filmer tout à l'heure, mais impossible, c'est en contrebas. Faire demi-tour, puis tourner complètement à gauche. Là, il y a un chemin là en face. Je vais le prendre à pied, je vais voir. Oups.
la main là-haut. Ça va être long à lire là. Après pause. Quel dommage. Le château est immense. Le but du ciel, le site est immense. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un château médiéval. Une forteresse plutôt, un château-forteresse médiéval quoi, du 12e siècle. Il a été bâti sur ce piton rocheux là. Ouais, on est vraiment, on domine tout. Toute la vallée, toutes les gorges. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'une des plus importantes forteresses du Moyen-Âge. Donc c'est pas rien quoi. Du Moyen-Âge et surtout de Rouergue. Bon, ce château, il a connu la guerre de 100 ans, ainsi que les guerres de religion. Je pense que c'est ici. La dernière fois que ce château fut occupé, c'était en 1663, sous ordre de Richelieu,
il aurait exigé son démantèlement total, quoi, total. Ici en partiel, et une très grosse partie a été démantelée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de familles féodales qui ont occupé ce château, et surtout diverses familles en même temps, sur plusieurs siècles, du 10e siècle jusqu'au 15e ou 16e siècle, si ça ne fait pas défaut. Donc c'est payant, c'est 5€. Adulte et jeune, 5-6€. Donc c'est fermé depuis une demi-heure. Alors ce que j'ai fait, voyons, demain on est mardi, samedi, dimanche, fermé le lundi, la vaisselle est fermée aujourd'hui, quoi, fermé l'après-midi, quoi, du moins. Septembre, ça ouvre à 14h. Bon, ben je vais passer demain à 14h. Ça sert à rien d'y aller là. C'est comme si c'était une violation de domicile, non respecté. Pour finir, toutes les familles féodales qui occupèrent ce château, il y a eu la famille Roquefeuille en 1174. Alors vous allez voir que les dates elles partent un peu dans tous les sens. Car c'est, comme je vous ai précisé tout à l'heure, diverses familles occupaient les lieux en même temps. Ensuite, il y a eu la famille Henrici en 1422, le comte de Rodez de 1240 à 1663, la famille Guittard de 1271 à 1524, la famille de Joaillerie du Clos 1524-1570, la famille d'Albaud ou d'Albois de Montrosier de 1570 à 1663, la famille Brunel de 1603 à 1641, la famille de Pelamourgue de 1603 à 1752, la famille de Puel à partir de 1641 et la famille Malbox vers 1753. Il y a des fouilles et des travaux qui ont été effectués, des travaux de restauration qui ont été effectués de 1977 à 2008. C'est pas ouvert, donc je sais pas, je sais pas si je peux rentrer ou pas. Je vais faire le tour. Merci. Je pense pas qu'on va faire le tour. J'ai vu un couple qui vient de redescendre, mais c'est pas celui que j'ai vu avec le chien tout à l'heure. Ça fait une heure qu'ils sont partis. Alors je sais pas s'ils sont passés à l'intérieur ou pas. J'essaie de voir le tour pour voir. Là, ils sont en plein aménagement là. On voit l'échelle avec la petite
Un petit plateau montant. Non, non, on peut pas passer par là. Il n'y a rien au bout là. Bon. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est ce que je pense. Je pense que l'entrée du château se fait à travers la porte qui est en bas. Allons par ici. Ah bah oui, c'est fermé. Ouais. Ouais, le donjon là, là ça donne tout. Incroyablement beau, c'est magnifique. On va revenir cet après-midi. Ça donne un petit aperçu.
c'est qu'il y avait une entrée. Elle a dû être rebouchée. Ouais, ici, là. Ou alors, en faisant le tour, elle doit être derrière. Mais comme il y a la végétation, il y a celui-là et celui-là. Je vais voir son côté. T'avances pas plus loin, Blackie. Blackie, reste ici. Blackie, viens là. Non, en fait, là, il n'y a pas. On dirait qu'il y a un truc en contrebas là, je suis en claquette. Je vais voir ça peut-être demain. Petit réveil ce matin, regardez l'épaisseur du brouillard, on ne voit pas les montagnes qui en face. Il n'est que 7h du matin. L'automne s'annonce, ainsi que l'hiver, on voit vraiment rien quoi. Il fait bien frais là, nickel. Bon, on va attendre l'ouverture du château. On se retrouve plus tard. Tchuss. Yep, les loups, nous entrons dans la visite. J'ai pu le mettre dans l'inscription. La plupart des pierres de ce château ont servi pour la construction et l'innovation de maisons dans le village. C'est vraiment dommage. C'est maintenant pour le réhabiliter. Alors il y a pas mal d'animations durant tout l'été. Donc ça tombe bien parce qu'ils font des chasses au trésor pour les gosses et tout. Il reste encore le pavillon là pour les enfants. Ici.
personne de garde. Je pense que c'est le dernier château que je vais faire. Si j'en ai un autre sur mon itinéraire, ben je pense que ce sera le dernier ou l'avant-dernier. Degrés.
Exactement, oui. Ici, Zaki, viens, allez. Allez, Michel. Allez. Allez, viens. Allez. Viens là. Allez, mes mères. Allez, mes mères. Tu viens? Passerelle de Mazami. Je reprends après. En fait, elle sort les griffes qui fait qu'elle se les coince dedans là. Donc elle peut pas avancer. Donc on va repasser par le chemin de la roue. Alors là, elle a vraiment flippé là. Elle pourrait pas avancer. Pourtant, c'est moins dangereux que le pont de Mazami. Pareil là, hein. Allez viens, allez. Alors là je comprends pas, c'est là où on est monté tout à l'heure, là elle descend. Bon, l'autre escalier j'inspire pas. Au donjon là-haut. Je suis un peu déçu. La visite est trop courte. Je pense pas avoir loupé certaines choses. Non, parce que je descends de là.
Oui. Voyez-vous là-bas au fond, tout ça, ça appartenait au château. Même cette maison là. Le chien ne m'a pas suivi. Je flippe. T'es là, ma mère ? Qui arrive là. T'es là, Haute ? Je sais pas si ça manque de moyens ou pas. C'est pas des vraies armures comme dans les autres châteaux. C'est juste des croquis. De moyens, j'ai pas senti en arrivant, ça c'est sûr. Quelque chose qui est bloqué, qui surligne ce château.
Bon, courage, parce que c'est vraiment haut, ça monte pas mal, voyez que ça. Il y a vraiment un petit village au pied. Comme vous savez, il y a plusieurs familles qui vivaient ici, familles nobles et féodales. C'est la meilleure. Thank you.
Ici ce château, je suis passé partout. C'est pas du tout ce que j'espérais. Je m'en contente, malheureusement. C'est pas un château que je revendiquerai et que je conseillerai. Ce qui est sûr, c'est que le travail des pierres est remarquable. Même ici dans la roche, on voit qu'il y a eu des rajouts là, il y a de la cimentation. Et sinon, c'est de toute beauté. L'ensemble à l'époque doit être magnifique. Ici pour faire passer les mules. Je vous retrouve sur d'autres aventures en vous souhaitant une agréable journée les loulous. Je continue mon chemin vers le sud-est. Tchuss.